En avant les enfants! Déjà, mais on vient d'arriver! Mais non, c'est le nom de la toile par Robert Combas en 1984. Bah, c'est fait sur du carton, tu parles d'une toile? Les artistes de la figuration libre peignaient sur n'importe quoi en réaction à l'art sérieux. C'est vrai, c'est pas sérieux. Les chevaux, ils ont des cravates et des chaussures, et les soldats des jeans. Mais c'est plutôt horrible une scène de bataille. Oui, Combas adore ça à cause du côté violent et dynamique qu'il trouve plus expressif et coloré. Coloré? Mais c'est sur du noir. Non, il peint le noir à la fin, pour mieux faire ressortir les couleurs. Les bleus, c'est les Français, il y a leur drapeau. Mais les jaunes en jupe? Des guerriers de la Grèce antique. Ah bon? Les Grecs antiques se sont battus contre les Français? Mais non, on s'en fiche, Combas utilise tous les trucs qu'il a vus dans son enfance, de la BD au livre d'école sur l'histoire. C'est vrai qu'on dirait une bande dessinée, mais sans les cases. Combas ne veut pas se laisser enfermer dans une manière de faire, car pour lui, la peinture égale liberté. C'est un rebelle rock'n'roll, quoi. Allez, en avant, les enfants! Déjà? Mais on vient d'arriver! En avant les enfants, Robert Combas.